Salut les amis, c'est samedi, je suis en train de me préparer. Il est là, il est presque 10h du matin, mais on va pas partir tout de suite. La Fred, il dort encore. Après, Nathan, il mange à midi, tout ça. Enfin, je mange avec Nathan. Après, on ira en épicerie. Et si on rentre pas trop tard, on fera le sapin aujourd'hui à la place dès demain. Comme ça, demain, on pourra faire autre chose ou pas. Enfin. Pardon. Donc on verra. Donc là j'ai plus qu'à me coiffer et à me mettre en haut à manche longue. Donc voilà, comme ça sera fait. Après je vais faire cuire à manger à Nathan. Là, il est mon amoureux, il joue. Nathan, coco. Il joue. Donc voilà. Et j'ai quand même pas mal de rangements à faire dans la cuisine. Plein de vaisselle à ranger, enfin plein de choses. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Les amis, on est revenu de l'épicerie. C'était la galère. Il pleut, donc déjà c'est chiant quand il pleut pour le caddie dehors, la marque qui marche jusqu'à la voiture, tout ça. Et en plus, il y avait un monde de folie. Et nous, en plus, avec Nathan, quand il y a Nathan, ça fait une galère de plus, je vous garantis. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté, mais peut-être pas tout. Je vais voir. Si, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Non, je vous montre. On a pris deux packs de coca, j'en avais plus, mes amis, vous vous rendez compte? J'ai pris deux paquets de champignons comme ça. On a pris des lanières de poulet comme ça, surgelées. La marque PC. Les essayons, ils n'ont jamais écouté. Mes fameuses croûtes à pizza. Qui est trempé, je vous dis pas. De la sauce chili. Mon Nutella. Enfin bon. J'adore ça. Avec un autre emporte-pièce dedans. J'ai pris deux sauces tomates comme ça. Des épices à tacos comme ça. Donc, alors, je vais vous demander quelque chose, Abby. Je n'ai pas trouvé, enfin si au final oui, j'ai trouvé ça, je voulais de la mélasse, j'ai trouvé que ça, est-ce que c'est ça, est-ce que ça existe en bouteille où il y a vraiment que ça? La dame du magasin m'a dit il y a que ça, moi j'étais persuadée que ça existait en bouteille, qu'après genre on peut refermer et garder, qu'on n'est pas obligé de tout utiliser de suite. Si vous pouvez me renseigner, merci. Donc en plus c'était pas donné ça, donc je sais pas, c'était pour une recette, donc je pensais que ça allait me faire plusieurs fois, c'est comme du vinaigre de riz, de la sauce soya, des trucs qu'en fait on referme et on garde. Donc s'il vous plaît, aidez-moi pour la prochaine fois. J'ai repris deux boîtes de nos fameux haricots verts qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Alors, parce que la galère, je ne vous dis pas, tout est mélangé. Moi qui d'habitude trie bien. Un yaourt comme ça, s'il vous plaît. Une bouteille de Pepsi. De la cassonade. Attendez. De la cassonade. Qu'est-ce qu'il a? Attends, j'entends. J'ai pris deux boîtes de crème de champignons comme ça pour une recette. Deux paquets là de palmiers comme ça qu'on prend toujours là. S'il en passe des tonnes. J'ai pris. Ah oui, ce que j'ai pris. Il y avait un spécial. Donc les trois plateaux. J'en ai pas assez, j'en ai un et un, je les ai mis à laver déjà. Il y a plusieurs tailles, quoi, deux, puis il y a encore un plus petit. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Si tu veux, ce qui est là-bas, tu peux le ramener, chérie. C'est tout, il y a un petit truc, c'est trempé de la ricotta. Alors on avait envie de saucisson, les amis, donc on va essayer celui-là, on l'a jamais essayé, j'espère qu'il est bon. Je crois que c'est la même marque de jambon qu'on aime bien. Oh, mais c'est trempé en fait. Du bacon. De la laitue. Oh, c'est tout trempé. Elle n'a plus du lait. Oh putain, les mini goannatons ont envie de s'éclater. Des mini goannatons. Des avocats, j'adore ça.
du beurre, de la crème sûre, de la crème liquide, de la viande hachée qui est morflée. Mais ça fait sous la luminosité, la viande hachée. Du triple cheddar. Les liens, les amis, vous voyez plus rien. On a pris deux. C'est ça qui boit le sirop de chocolat qu'on attend. Là, en bas, je le mets là. De matin. On attend. J'ai pris un truc de Javel pour les toilettes. J'ai pris. Normalement, ce soir, si tout va bien, on change pas le plan. On se fait les fajitas. Et il nous restait des crêpes de la dernière fois qui sont encore bonnes. Et donc, j'ai pris des petits bols à la place pour Nathan. Ça va être mieux. On va se régaler. Hein, bon fajitas maison. Bon petit sapin de Noël. Des carottes nantaises comme ça, j'adore. Mon petit sapin de Noël. Tu veux manger dans sapin de Noël? Regardez ce qu'il a fait tout seul, comme en grand. Il est beau, mon cœur. Ça, c'est l'étoile. Ouais. Eh, il est beau, hein, son sapin de Noël. C'est mon sapin de Noël. Il est trop beau, mon ange. Mon sapin. Ensuite, bah, ça, je vous ai déjà montré, de toute façon, c'est les sauces tomates. Mon sapin de Noël. Mon sapin. Mon sapin. J'ai repris des pâtes comme ça, là, les petits coudes. Oh, pardon, excuse-moi, je voulais te le donner. On a repris des gâteaux à la mélasse. J'ai repris de la mayonnaise. On a repris, ça c'est les petits les trucs à l'oignon comme ça là, c'est le truc préféré à Fred et Nathan. On a repris des petits jus à Nathan, jus d'orange. Ah, j'ai plus le bras les amis de vous porter. Deux. Vous porte à bout de bras. Quatre. Six. Qu'est-ce qu'on a pris? Un melon. Six. Douze. Comment ça se fait que le pâté il est dans le melon? Un melon. Alors on a pris, c'était en spécial, j'espère que ça va être bon. Je sais pas, j'ai jamais acheté de pâté ici, ça va être la première fois. Pâté de campagne au poivre, j'espère que ça va être bon. On avait envie de se faire un genre de repas charcuterie, donc le saucisson, le pâté et, je sais pas où il est, hein, la mortadelle, je l'ai pas vu chérie. Non, c'est... On a fait la mortadelle aussi, c'est pour ça. Maman. Ah, je m'assois, j'en peux plus. Oh, mon Dieu. Maman. J'avais fait un retour de... Non, attends, il faut que je me dépêche, sinon ça va être trop long. Non, je parle d'abord. De là, ça, je vais faire ça comme plat. Depuis le temps, je vois passer sur des chaînes YouTube, tout ça. C'est pidio, là. J'ai acheté pour ça aussi, pour la mijoteuse. Pour faire du porc effiloché. Des poivrons rouges. Des bananes. Et il nous manque la mortadelle. Hein. Il manque qu'elle soit là. Je vous l'ai déjà montré, je crois. Hein. J'ai deux paquets de champignons blancs. Nos pains, la ciabatta qu'on adore. Et les amis, je crois que j'ai perdu la mortadelle. Des pommes. Fred devrait faire un crumble. Une petite de pommes sur la tête. Un paquet de sucre. Ah, elle est là. Putain, et voilà, on était tellement pressée. Oh là là, il y a le sucre, il s'est ouvert, je crois, chérie. Il y a du sucre partout sur la mortadelle. De la mortadelle, j'espère qu'elle va être bonne, regardez. Tiens, posé sur les vieilles, je vais un peu donner un coup d'éponge. J'ai le nez qui coule, vous m'excuserez aussi, excusez-moi, je fais ça, ouais, je suis une grosse crado. Ensuite, des pâtes à lasagne. Qu'est-ce que je vais faire? On va donner envie. La sauce poutine. Il y a du sucre partout dans le sac. Chier. Le deuxième truc d'haricots couvert, je vous l'ai déjà montré. Il me fallait des éponges. Et j'ai pris deux limes. Voilà. J'ai les amis. Nathan prend une petite douche. Il est, il est pas tard, il est 2h. Il a voulu prendre une petite douche pour se remettre en pyjama. C'est son petit. Il aime bien faire comme ça. Il aime pas se remettre en pyjama avant d'être lavé. On a tous des tocs dans la famille. Là, il pleut. Hein. Il nage pas, il pleut. Et après, on va monter. Normalement, ben, on devait faire demain, mais je pense qu'on va faire le sapin de Noël tout à l'heure. Donc voilà. J'ai... De toute façon, vous serez avec nous. Et Nathan, et voilà, on va lui mettre un petit dessin animé tranquillement. On va rester tous ensemble dans le salon. Voilà, voilà. Et là, je bois ça. Je pense que vous connaissez, mais en fait, c'est vraiment pas sucré. Peut-être pour ceux qui n'aiment pas le sucre, justement, c'est Canada Dry Soda Club Orange Mandarine. Faible en sodium, non sucré, nouveau. Voilà, ceux qui n'aiment pas trop les trucs sucrés et tout, franchement, voilà, c'est pour vous. Donc voilà, ben, je vous redis à tout à l'heure, en train de faire ma chambre en fait, de virer tous les draps, c'est sombre. Hein.
En fait, attends, je vais prendre une pause dans 2 secondes. J'ai viré tous les draps. Nathan regarde un dessin animé, Kung Fu Panda numéro 3. Et vous excuserez, c'est sombre, mais bon, j'arrive pas à bien faire une luminosité. Fred fait une sieste, refait une sieste. Comme vous savez, il travaille cette nuit, donc il refait une sieste encore là. Donc moi, en attendant, je fais le ménage de la chambre. La couette seule, je vais pas réveiller Fred de la couette. Enfin, je veux dire, là c'est logique. Et je vais pas attendre, sinon je vais prendre du retard. Parce après, il faut que je fasse toute la poussière. Donc, je vais m'atteler. Des fois, j'y arrive facilement. Des fois, non. La couette de place comme ça. Donc, voilà. Et il me manquera un oreiller. Là, j'en ai. Alors, moi, j'ai un gris comme ça et celui-là. Et il manquera le gris là-bas. Je mets en quinconce en lampe. C'est Fred qui l'oreille sur le canapé. J'ai fini ma poussière de la chambre, ça vous l'avez pas vu mais je vous le dis. Pardon, il m'a fait de très bien. Coucou. Coucou. Attends. Coucou. Coucou, on va faire le sapin. Voilà. Fred est en train de sortir tout ce qu'il faut pour le sapin. Maintenant j'ai retrouvé ce qu'on avait acheté au vieux port, vous vous souvenez? Il est trop joli. Avec est marqué. Merry Christmas from Canada. Non, non, trop chou. Donc voilà, on va faire le sapin. Moi j'ai une deuxième machine qui tourne, la sécheuse. Ça, ce que t'as construit. Attends, non, parce que. Attends, je vais le poser. Tu vas poser? Prends-le. Tiens ça. Ne casse pas. Hein. On l'avait montré, je crois, déjà tout à l'heure. Le sapin que mon fils il a fait. C'est beau, hein, Kerr? Donc voilà, je vous ai bien calé. Nathan a voulu qu'on mette une compilation des musiques de Noël. Donc on va faire un beau sapin avec la belle musique de Noël. Vous aurez au montage, vous aurez certainement pas le pic de Noël parce que j'en ai pas pour les montages. Et si je mets pas en accéléré, ça sera trop long pour vous. Donc voilà les amis, on va s'y mettre. Et là c'est quoi? C'est la belle nuit de Noël. Donc la neige tombe. Nanana. Alors c'est une chanson qui me fait pleurer les amis, c'est la petite papa Noël. Donc bye. Oh les câlins. Allez, beau câlin! Nathan, il adore aussi cette chanson. Petit papa Noël. Eh, je te vois plus! Waouh! Viens là-devant, ça va? N'oublie pas mes petits souliers. Hey, vive le vent, vive le vent. Alors, la belle étoile que Nathan a mis.
Donc les tulles que j'avais achetées au Dollarama là. Ça, c'est les beaux trucs que j'avais achetés au marché de Noël de l'année dernière. Il y a des comme ça. Des comme ça. Ça, c'est le premier Noël à Nathan. Sa première. Bon, on a une autre, mais on l'a pas mise. Qu'on met en décollement. En décoration hors du sapin, mais on l'a pas mise. Je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, premier Noël à Nathan. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre de joli? On a un petit pain d'épices. De quoi, chérie? Oui, je vais la montrer. Attends. Voilà, des petites maisons. Ça, c'est ma maison que j'adore depuis. On a ramené de la France, celle-là. Elle est trop, trop belle. Voilà, en bas, on a décoré aussi. C'est De beau! Noël, on va mettre une bougie dedans. Il y a. Ça fait des genres de cristaux. Comme ça. C'est des vrais cristaux. Des vitres, des vitres, oui. On a mis ça, alors ça. Je sais pas si vous vous sentez. Bon, ne vous souvenez pas, mais. C'est ce qu'on avait acheté l'année dernière quand on est allé à la sortie. Voir la sortie de Noël au cas où je mettrai le lien à la fin de la vidéo. C'est super beau. Ah mince, c'était quoi? Oh, j'aime pas me souvenir. Bon, je m'en souviens plus. C'était dans une grande ville. Ah. C'est à Montréal. Non, 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 justement, c'était dans une petite ville. Avec un papa Noël. Trop joli. Voilà, les amis. Ça fait trop beau en fond. Ah, j'adore. Ah, Nathan, il est content. C'est le bon? Après, il est en train de préparer bah, Fajita. Regardez ma belle petite maison. Elle est belle, hein? Avec les étoiles, hein, qui. Où ça? Ça sent bon, les fajitas. Là, c'est la viande avec le. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va servir des bols. Plus des crêpes qui sont quelque part à finir. Et là, on avait des congelés. On avait de l'épinard congelé. Nathan, il a mangé comme ça. Il adore l'épinard. Hein, mon cœur? Donc, il faut que je pense qu'elle lui en racheter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en France. On a mangé tout le temps. L'omelette, donc l'omelette, on a battu des œufs et on a mélangé des branches d'épinards qu'on a. Tu les as un peu quand même coupées ou pas? Du tout. Ah bon. Bon, on va mélanger, on va faire l'omelette Quand aux vous souhaitez épinards. un bon appétit. Nathan, il a préféré. Moi, ça me plaît, moi, le petit bol comme ça. Toi aussi, t'as pris le petit bol, chérie? Bah ouais, Ah, ça te dit pas, toi non moi plus? je préfère les crêpes. Mais... Ah bon, bah, tout le monde préfère les crêpes et moi, j'ai acheté des petits bols. J'étais toute contente. Enfin, bref, regardez, on va se régaler. Donc, on vous souhaite un bon appétit. Bye bye! Bye bye. Je vous aime. Non. Ah, c'est faire la quinte maintenant. Je vais vous montrer les belles omelettes aux épinards de mon chéri. En fait, il en a fait deux fines. Je sais pas si vous allez voir. Elles sont fines. Voilà, Je deux suis omelettes aux encore là parce épinards. que je voulais vous montrer mon nouveau pyjama que je me suis acheté. J'adore, il est trop. Il est trop joli. Regardez comment ça fait bien. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Sinon pas. Regardez. En plus, on dirait que du coup c'est une combi, mais c'est pas une combi. Eh, c'est trop rigolo, j'adore. Rien me fait plaisir des fois, les amis, vous savez. J'adore. Voilà. Nathan, il est jaloux. Il veut avoir le même pyjama. Mais il faut que j'en trouve un pour enfant carotté comme ça. Si vous savez où il y en a, dites-moi-le. Hein? Chez Old Navy, franchement, ça vaut trop le coup. Et en plus, je pensais qu'il est fin, mais en fait, il est en genre de nid d'abeille, je sais pas. Et là, il tient chaud, je trouve. En plus, il moule vachement bien. Je suis trop bien dedans, je suis trop contente. Bon, cette fois, je vous laisse vraiment. On va jouer un petit peu avec Nathan. On a fini de manger, J'ai choisi cache-cache. c'était super bon. Allez, c'est moi qui compte. Oh, il est fou, ce Milo. C'était super bon. J'ai mangé des fajitas. À demain pour de bon cette fois. Bye 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 bye. Bye 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 bye.